Alors, là, c'est bien calme. D'accord. Là, on voit la tendance au niveau propag. Là, la tendance est claire. Là, on est sur le canal 6. Les USA en AM. Quand la propague est là, elle est là. Et là, on sait de suite. Là, on voit de suite de quel côté. Salut tout le monde! 73-51, 14 km 33-01, Rémi, Dandy 33, à votre écoute. Alors ce matin, c'était surtout en FM. Comme vous pouvez le voir là dans ce bout de vidéo là qui suit. ...9h25, la propague est déjà là. Bon, ça fait un petit moment déjà là. De mon côté, ça fait bien une demi-heure qu'elle est là. Il peut pas tout se passer en AM, non? Ah, ben voilà. Quoique. Bon, je blague hein, pour les FM. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça me déclenche facilement de l'acouphène dans les oreilles. Alors c'est pour ça que je suis pas, du coup à cause de ça, je suis pas un adepte de la FM. Quand je vais dessus, c'est vraiment à petite dose. Alors, pendant que je tourne, je me souviens quand j'ai commencé la CBI, en 82, eh bien, c'était le seul mode qu'il y avait de légalement autorisé. Du coup, les gens fuyaient, enfin, les gens ne voulaient pas de la FM pour rester en AM. D'où le passage en 83 au multimode. Au niveau homologation chez nous en France. Bon, ça, de toute façon, tout le monde le sait déjà. Et depuis, eh bien, il y a un engouement certain pour le retour à la FM. Comme quoi. Quand il n'y avait que ça à une certaine époque, personne n'en voulait. Maintenant qu'on a le choix du roi, tout le monde la veut. Bon, en tout cas, là... Ouais. Ça s'annonce être encore une très bonne journée, ça. Va y avoir encore des QSO grand local. Vous êtes...
Là, c'est plus en BLU maintenant. BLU, AM. Donc, la propague a changé de continent. Ah oui, hier, je parlais du site Kilomike. Je ne vous ai pas montré à quoi il ressemble. Ben, voici une capture d'écran. Sympa, hein? Ah, ah! Le Québec! Bon, là, on sait que le Québec passe. Alors, Lou et Bessières d'Ottawa. Voilà. Attention, le Québec. Attention, le groupe des Tanans pour 14 km, 33-01 Rémi, qui lance appel. Ah, si. Attention, le Québec. Ouais, c'est bon, ça passe. C'est QRP, mais ça passe. Alors pour la propague, il faut la flairer, hein, faut faire la différence entre les bruits atmosphériques et tout ça et des parasites électriques. Hein. Il y a des bruits de bande par moment, on entend des pays étrangers. Tenez, voilà. Voilà un bruit de bande. On l'a entendu de mon côté. On l'a entendu sous le web SDR. C'est le même. Là, ça donne une idée de la pardon. Ça donne une idée de la force. Voilà. Ça donne une idée de la force de la propague. Eh bien là, l'après-midi s'annonce très bien. C'est bien parti. 14h25. Il y en a qui ne devraient pas tarder à se réveiller. Parce que là, ben 14h25, ça fait 8h25 sur le Québec. On va laisser le temps de finir leur petit déjeuner. De retour. Et ils sont là. Break. Oui, juste un moment, un minute, ça peut être. 14h55. J'ai dû avoir sorti pour le café ou je ne suis pas arrivé. Ben, des fois, ça arrive que je décolle un petit peu plus tard. Il y en a d'autres plus bonnes, mais peut-être qu'on peut juste corriger. 3,5 degrés. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bien bon. Comme ça, moi, je vais aller scanner la bande, je vais aller plus haut dans les 700, 900, les petits groupes-là. Je vais aller voir s'ils sont là, ma fille. Parce qu'on y a un petit portail, c'est pour vous. Mais c'est plus bon, là. Puis, ça fréquente un peu partout. Bon, ben là-dessus, bonne journée de radio, Jules. Oui, à toi aussi, merci Henri, bonne journée de tout, bon téléphone, puis professeur, si elle va le faire. Oui, merci beaucoup pour les félicitations, Henri. Oui, c'est ça. Break du Sud-Ouest France.
Alors, lui, maintenant, on va te laisser gérer les choses. Il y a plein de monde qui t'appelle. Oui. Salut, André. Salut. Ça part en cacophonie. Bonjour, Laurent. Bonjour, Laurent. Merci pour le retour de micro, c'est parti en cacophonie là d'un coup là ici là. Les 73 André de 14 km 3301, Rémi d'Andy 33 à côté de Saint-Émilion. Les amitiés du matin également Gilles, 73 51 212 au QRA. Je viens de regarder la température là juste à l'instant là, donc là il est 14h55 là chez moi, bientôt 15h, et j'ai 3,5 là ici là. Voilà, pas plus. Bon, un temps un petit peu plus vieux, plus fine. Voilà, c'est voilà ce que j'ai de mon côté, mais 3,5 maximum là à cette heure-ci. Merci pour le retour de micro avec le Brésil qui nous chatouille les pieds là derrière. Ouais, effectivement, alors c'est vrai que pour nous ici c'est froid. 3 degrés, c'est effectivement froid. Puisque, tiens, pour la petite anecdote, la nuit précédente où j'étais au travail, j'ai eu ma chef qui est passée. Bon, dans la voiture, donc en plein, il devait être 21h30. Dans la voiture, j'avais 6 degrés. Elle, quand elle est venue me voir, parce que bon, on avait réunion, quoi. Réunion de travail, quoi. Et il y avait donc 6 degrés dans la voiture et à grelotter. Donc oui, tu as raison, pour nous c'est froid. J'aimerais bien aller voir au Québec là comment c'est et tout ça. Mais un jour j'irai, oui c'est sûr. Mais le plus gros du travail que j'aurai à faire, c'est d'abord commencer par convaincre l'XYL que tiens, ça serait bien qu'on aille faire un petit voyage au Québec. Là, ça va être le plus dur à convaincre. Mais j'y arriverai. J'ai deux, trois astuces que je parlerai pas en fréquence, hachis trois coups, pour arriver à la convaincre. Retour André. Ouais, c'est ça. Ben écoute, Tagada. Ah, ouais. Ben oui, l'expérience du moins 12, même moins 20 en hiver, pour vous, donc, ça serait une belle expérience à vivre, effectivement. Parce que c'est quand même froid. Ça sent dur. À Montréal, il fait moins 20, c'est moins 30 dans les Laurentides, alors que c'est sec.
sur la côte nord, moins d'herbe. Ça se vit très bien. Tout dépend où est-ce qu'on est. Hein? Dans une région humide, là, comme Laval, Montréal ou même la ville de Québec, c'est humide. Mais si on va sur la côte nord ou on va dans le nord, où est-ce que les montagnes, c'est un sauveur en montagne, montant là, ben, c'est sec. Alors ça se digère mieux. OK, ben, je vais terminer mon petit déjeuner. D'accord. My God. Prends ça, Gilles. Un café hollandais. Non, je me trompe. Ben, monsieur, je sais pas si c'est hollandais, là, mais c'est un Indien qui l'a fait ce matin. Là. La station qui vient se manifester décalée en fréquence, regardez le poste, là. La station est vraiment décalée. On dérange du monde, pourtant on est sur la fréquence des tannons. Certains n'ont pas bien compris que quand on vient sur une fréquence, on commence d'abord par écouter, pour voir si elle n'est pas déjà occupée, avant de semer la zizanie. Ah, il y a des groupes comme ça, et on n'a pas envie d'y aller, c'est clair. Enfin, je parle pas des tannons, je parle des autres groupes dont je me tairai le nom pour pas leur faire de la pub. Ouais, et tout ça a démarré à cause d'un Français. Ça peut être un Français, ça peut être un Québécois français, ça peut être beaucoup, hein, oui. Il y a une station, je vais prendre un sifflet pour la station qui vient de manifester en avant. Alors, je suis français, hein. Et je me suis amusé à dire ça parce que on n'est pas aimé partout dans le monde. Pourquoi on n'est pas aimé? Il faudrait peut-être qu'on se pose la question justement pourquoi on n'est pas aimé partout dans le monde. Enfin, partout, dans plein de pays, énormément de pays. Il faut se poser la question sur pourquoi. La réponse, je crois qu'elle est simple. Parce qu'on ne fait rien pour qu'on se fasse aimer. Ah oui, c'est vite comme ça. Oui, mais ben, le bon enfin. Alain, tu veux faire le tour dans le pays ou tu veux quitter? Et il est parti. Ou la propague a tourné, je sais pas. Ouais, oh, les 73, la station de la part de 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33, sur le sud-ouest, sur le sud-ouest France, à côté de Saint-Émilion. Gilles, bien vu la bouteille. Retour à la station, là, qui m'a appelé.
Ah, ça passe très QRP de mon côté, mais c'est dans la boîte, comme dirait l'autre. Les 73-51 retournés, retour agile. Oui, c'est un petit peu mélangeant à matin parce que j'ai Laurent qui sont la frontière Port-Cobel, j'ai Claude là, qui a envoyé à les 73, là, à la dernière station, le 14-26-590-588 du département 59 Rémi. Oui, alors, vu que c'était assez QRP, je sais que j'ai envoyé les 73-51 à quelqu'un, et donc je lui ai retourné avec plaisir, enfin que, oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé les 73-51, que je lui ai retourné avec grand plaisir, mais c'était assez QRP. Alors, je l'ai entendu, j'ai compris son message, mais j'ai pas compris exactement qui c'est, lequel des deux c'est, chi. Donc c'est Claude. Ouais, la propague est en train de faire la girouette là en ce moment. Elle fait la girouette, elle nous envoie des brésiliennes, elle nous envoie des bâtonnets de glace, je fais allusion au Québec, et quoique, j'ai l'impression que le Québec s'est un petit peu rapproché de la France là ces derniers temps, hein, vu les températures que vous avez de votre côté. Hein. Ouais. Alors pour ma part, non, j'ai pas eu le temps de faire de QSO là ce matin. D'autant plus que là, comme t'as vu, comme t'as dû le voir, je sais pas, là sur ton téléphone. Bon, je me suis occupé là de ta vidéo et elle fait dans les 2 heures quelque chose, hein, ta vidéo d'hier. Oh, yeah, yeah. j'ai vu le passage que tu m'as dit. Là où ça t'a complètement coupé le son. Alors ça, moi j'ai l'impression qu'il y a une émission. Ouais, tu m'as parlé des camions là, qui déblayaient la neige à ce moment-là. Alors je me demande si c'est pas eux qui étaient en pleine émission aussi de leur côté, qui t'ont aspiré la réception là du coup. C'est bien possible ça, oui. Un coup comme ça, c'est bien possible. Alors, le poste, là. Oui, tu as vu ça. Je me suis amusé dedans. Alors, le haut-parleur du poste, là, ici, là. Ah oui, voilà, ici à droite. Le web SDR de Ottawa que je reçois sur le haut-parleur de gauche. Et là, au milieu, une petite crête là qu'on voit là, qui me permet de faire une séparation entre les deux micros qu'il y a là de chaque côté. Système D. Alors ce matin de mon côté, j'ai fait une petite vidéo justement vers les, je sais plus, 9h30 par là.
où il y avait énormément de Propag FM, Pays de l'Est, tous ces coins-là. Ça, d'ailleurs, j'ai fait un petit passage là, comme ça. Eh ben, tu le verras dans le début de la vidéo. Voilà. C'est, j'ai fait un petit bout d'avant vidéo, on va dire, où je blablabla dedans. Tu verras dedans justement là comment c'était ce matin de mon côté. Alors tiens, il y a une question qui m'a été posée sur YouTube. Comment fait-on pour... alors là justement, là c'est toi que j'aimerais bien que voir comment tu vas expliquer ça. Comment fait-on, Gilles, pour sentir, pour voir quand la propague est là et tout ça, quelle astuce tu aurais à donner? Oui, c'est ça, la limite, c'est rendu sur la fin du téléphone, là. C'est rendu avec un peu plus de tout, c'est une station 100% plus, là. Ah, c'est tout. Ça fait être aussi 122, 127, là, j'entends un petit peu de plus de tout, là. J'ai vu ce QRM un peu, là, de ça. Ok, c'est bien dommage, je ne les entends pas sur le WebSDR. Ouais, alors je te demandais comment toi tu expliquerais comment savoir que la propague est là. Ben moi, je peux savoir que la propague est là par les petits bruits électroniques de la vache, là, tu sais, là. Où pareil. Vient du côté de la Russie, là, de M. Poutine, là. Là, je peux le savoir, je ne trouve pas le RDR, mais je m'en vais sur le 555, là, et puis, si ça se fait au 555, là, ça donne une bonne idée qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Affirmatif. Et pour ma part, je rajoute même que je descends du côté des 40 canaux, puisque tu as remarqué que la propague arrive généralement des fréquences basses et après monte. Et ce matin, alors si du côté de ce côté-ci, il y avait du monde en fréquence, enfin sur les canaux supérieurs, il y avait du monde en fréquence, plus bas sur les 40 canaux, c'était la cacophonie. C'est donc là, et à chaque fois je remarque ça, ça arrive du bas pour monter après vers les canaux supérieurs. C'est voilà ce que je constate moi de mon côté. Ouais. Mais toi, si tu utilises le RDR, tu peux le voir comme ça ou si tu le vois aussi sur la région? Alors, le WebSDR de Bordeaux, non, je ne l'écoute pas, puisque j'ai remarqué qu'il a tendance à être un petit peu sourd. J'ai entendu monde derrière. Ok, c'est passé. Donc, le WebSDR de Bordeaux, je le trouve un petit peu sourd, donc je ne l'écoute pas trop. J'écoute surtout au QRA, et comme en ce moment, c'est surtout le Québec, tout ça qui passe, je me mets sur le WebSDR, là, qui est à l'ouest d'Ottawa, et je regarde un peu la tendance de ce côté-là, quoi. Et tout ça, ben, tout ça, tu le verras aussi, là, dans le début de vidéo, là, que j'ai fait, justement. Hachis trois coups. C'est, voilà ce que je fais, je me balade sur les un peu partout, ça, dans tous les modes. C'est j'écoute à droite, à gauche, je flaire, on va dire, un petit peu ce que ça donne. Les bruits que tu parles, les bruits de bande, tout ça là, qu'on entend, ben, pareil. Comme là tout à l'heure, j'ai eu ça, je l'ai entendu au QRA, paf, on va dire, en ricochet sur le WebSDR d'Ottawa. Ah ben là, là, ça m'a donné une bonne idée sur la force de la propague. Et tu vois, des trucs comme ça, donc on a exactement les mêmes astuces. C'est ça, on a des signaux aussi, hein. Il faut juste apprendre à savoir les écouter. Oui, c'est un peu ça la gadget d'arme propagation. Oui, oui, voilà, c'est ça, hein, c'est les petites astuces comme ça, tac, mais de toute façon, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on va à la pêche,
Parce que la technique est la même. Celui qui, quand tu vas à la pêche sur les lacs, un truc comme ça, ben tu t'observes là où il y a le poisson, tu regardes les autres personnes où ils se mettent, tu observes tout un ensemble. Tu observes aussi la surface de l'eau, si elle est plus ou moins agitée. Il y a plein de... Enfin bon, j'y connais rien en pêche. Hein. Mais bon, t'as plein de petits trucs que t'observes comme ça, quoi. Quand tu arrives à voir à travers, voir un petit peu le fond marin, enfin le fond marin, le fond d'un fleuve, d'un lac, t'observes aussi, voir suivant les endroits, s'il y a une possibilité d'avoir une bonne pêche ou pas. Eh bien, sur les ondes, c'est exactement la même chose, quoi. Oui, justement, Rémi. Surtout, moi, j'ai toujours fait la comparaison, la radio, là, en DX, là, plus avec la pêche, là, tu sais, là, il y a des gens qui vont dire, moi, j'aime pas la pêche, parce que pour tout comme la radio, mais j'aime pas la pêche. Mais c'est un peu la même affaire, hein. On ouvre la radio, on installe le pli. Et puis, quand c'est quelqu'un qui passe sur la ligne, puis ça mord à l'hameçon, ben, on va à la station, puis on fait un tour avec, puis ça fait un contact. Et puis, des fois, on a des grosses prises qui arrivent ici à plus 9, plus 20, plus 30 dB. Ça, c'est un gros poisson, là. Tu l'as fait, Rémi? (rire) 100%, 200% QSL. Surtout que là tu passes bien. Et je vois que moi aussi, parce que là j'ai un bon retour là dans le web SDR d'Ottawa. Alors il a fallu que je mette le volume assez bas parce que ça fait comme un écho là du coup là de mon côté. Oui, j'ai entendu quelque chose, une modulation assez grave, mais ça a été très bref. Les 73-51 à la station, 14 km 33-01 Rémy, sur les départements de la Gironde, Sud-Ouest France. Je l'ai perdu, Gilles. Nord-Ouest France. Ok, la station du Nord-Ouest France, les 73-51, 212, bonne année, meilleurs voeux. Voilà, du Sud-Ouest France, 14 km 33-01 Rémy. Alors de mon côté, c'est vraiment très très QRP, j'ai du mal à sortir quoi que ce soit. J'arrive à attraper quelques petits bruits, quelques petites brides, pardon. Mais c'est vrai que là, c'est pas évident, c'est assez QRP. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire une vidéo. Et vous pourrez voir là-dedans, je la partage partout. Hein. Donc, il n'y a pas de problème pour la trouver. Et donc là, 15h20... Ok, voilà, 15h20, vous pourrez voir ce moment-là dans la vidéo un petit peu ce que ça donne. C'est passé, c'est dans la boîte, mais c'est vraiment très QRP de mon côté. En espérant que du côté de Gilles, ça passe mieux. Retour à toi, Gilles. Je garde trop le micro. Faut me foutre des tapes sur la main quand je garde trop le micro longtemps comme ça. Quelqu'un d'autre. Et puis, c'est un réveil assez beau. Et puis, c'est un réveil, mon ami, c'est le mec.
Ok Alain, les 73-51 retournés de Rémy sur le département de la Gironde, à côté, alors à l'est de Saint-Émilion, 10 km à l'est, est, sud-est de Saint-Émilion, sur un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe. Autrement dit, juste à côté de Castillon-la-Bataille, où tous les étés se déroule la bataille de Castillon. Là, j'ai fait intelligent, là. Partout. Alors, tu pourras voir la vidéo pour voir à quel niveau il te recevait là, à l'inquiétude. Cinquante-trois, si c'est bien ça, à l'est de la Bretagne. Ok QSL, je viens de regarder, là j'ai une carte là qui est sur le mur, je viens de regarder le département 53 est juste à l'est de la Bretagne, pour te situer Gilles, entre la Bretagne et Paris, pour voir très large. Et je me suis fait encore avoir avec le foutu compte à rebours. C'est chiant, hein? Si vous cherchez une caméra, un truc comme ça, si vous pouvez éviter des trucs comme ça, genre appareil photo caméra avec compte à rebours, à éviter. Hein. C'est, je me fais avoir presque à chaque fois. Hein. Et oui, il n'y a pas un bip, il n'y a rien qui avertit quand ça coupe. Du coup, je me fais avoir à chaque fois. Ok Bernard, Papa Lima 38, les 73-51 retournés. Alors je t'ai entendu à CQRP de mon côté, aussi bien en direct que via le web SDR d'Ottawa. Voilà, de 14 km 3301 Rémy sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Et il m'entend pas. Lui par contre ne m'entend pas. La 14 km 3301
Oui, à côté de 5 millions. Il faut manger mon cours, Rémi. Jean-Noël aussi qui est derrière la porte. Bonjour, à bientôt. Rémi, tu retournes le micro. Ah, ça partage. Si les gens sont devant leur téléphone, là ils vont tous arriver en même temps. Non, non, elle est toujours ouverte. C'est une usine à gaz, en fin de compte. Alors j'ai testé dans une précédente vidéo, écoute QRA, deux écoutes sur deux WebSDR différents. Trois écoutes, quoi. Alors là, c'est trop, là. Ah, trop d'écoute partout, c'est trop là. C'est trop QRP, je comprends pas. On l'entend des deux côtés, hein. Je vais faire un test.
entend parler, hein, mais... Oh. Je remets, j'ai l'impression d'entendre de la FM. Il est sur la CB H24. Excellent. Restez connectés. Oui, 73-51, Bernard, mon ami, ça me fait plaisir. Si c'est en fin de journée, si c'est demain, c'est le même plaisir pour moi. Oui, je vois quand même qu'il est 16h20, c'est toi. C'est bientôt la coupe, Bernard. 73-51, mon ami. Merci beaucoup du passage pour les salutations. Toujours un plaisir. 73-51, mon ami. Ouais, il m'arrivait hein, quand même au QRA, mais c'était trop petit, trop QRP là de mon côté. Alors je l'entendais parler, mais pour mes oreilles, indescriptible. Alors que, ouais, je l'entendais quand même, hein, mais c'était vraiment indescriptible. Alors, je l'entendais un peu mieux sur le QRA. Il passait quand même sur le web SDR, mais bon, je l'entendais un peu mieux sur le QRA, mais dans les deux cas, de toute façon, je j'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. Maintenant, c'est peut-être moi qui ai un problème de comprenette. Ah, chi. Hier c'est moi, mais aujourd'hui ça va être toi. Pour moi, c'est contagieux cette affaire-là.
C'est vrai que ce matin, j'ai pas pris de café hollandais, moi. Oui, j'arrive sur la dernière. Oh, il y en a même plus, là. Il reste une coupe. Bon, j'ai du whisky. Non, c'est du bourbon que j'ai à la maison. C'est quoi que j'ai là? C'est du Western Gold. Voilà, bourbon whisky. Je sais pas si c'est bon dans le café ça. Mais toi là, avant que tu me parles de ça, je connaissais pas du tout. Hein. Oui, tiens. Je vais prendre un petit verre pour voir s'il y a des stations derrière. Mais j'entends par moment des stations derrière. C'est quand même 73-51 à toutes les stations qui sont derrière la porte. Sur la fréquence dans l'ensemble du groupe, justement. Tous les bons chiffres renouvelés. Et puis, merci beaucoup de votre patience sur la fréquence. Car c'est petit. Quand la porte ouvre, on fait tourner la tête. On est 14, porte 050, Daniel. Il passe mieux sous l'eau, je veux dire. Italia. Italia. Marco, auguri. Et tu parles combien de langues? Là, il y a un parasite qui passe, ça va être intéressant de voir. Bon, là, c'est sur le WebSDR qu'on l'entend. Hein. Ah. Là, c'est un gros parasite électrique. Comment va réagir le DSP? Il en élimine quand même pas mal. Mais bon, maintenant, on voit quand même. Et là, il est réglé qu'à 4. Hein. Oui, 4 sur 7. Là, je suis passé à 5. Quatre, cinq. On voit pas trop de différence là. Alors 6, 7. Ouais.
Là, je suis à 7. Alors, le nouveau qui est à 8 positions. Ouf! Ouais, c'est étrange de trop. Alors, 6, 5, ouais, 4. Ah, ok. Je commençais à me poser des questions là aussi. Et oui, j'entendais plus rien, ni du côté poste, ni du côté WebSDR, mis à part de QRM, quoi. Mais bon, c'est tout ce que j'entendais. Tiens, justement, pendant que tu étais en train de parler avec l'italien, je me suis amusé à faire quelques petits tests, parce que j'ai un QRM électrique qui est passé. Hein. Donc, je me suis amusé à faire quelques petits tests avec le filtre BHI, le DSP, là, pour voir. Ça va. On va dire que c'est quand même correct. Mais bon, sur du QRM électrique, un filtre DSP, c'est pas trop sur son terrain de jeu préféré, quoi. C'est surtout sur du bruit de fond, quoi, où là, il est vraiment efficace. Le QRM électrique, comme ça, quand ça crépite bien comme il faut, c'est plus depuis les filtres du poste ou avant le poste que ça doit être traité, ça. Mais bon, ça va, c'est potable. Et au fait, on est le 25. Oh oh, oh oh, ça approche. Oui, c'est très haut aussi, c'est très haut. J'arrive pas à y passer de l'installation, c'est très haut de voir le résultat. Oui, parce qu'en plus de ça, bon, t'as pu voir quand même en direct, en vidéoconférence, le comment fonctionne le filtre. Hein. Donc il y a aucune tricherie dessus. Et d'ailleurs là, juste là pendant que t'étais avec l'Italien, là, je suis monté carrément sur la position 7. C'est comme si j'avais mis le squetch pratiquement. Là, j'ai juste entendu toi pas mal étranglé, on va dire, derrière dans le son. Et c'est tout ce qui me restait là quand je suis monté au maximum. Est-ce que... Attends, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris, j'ai pas eu Roger. Oui, ok, j'ai quoi que tu as vu la vidéo de mon côté sur la journée d'hier, ce qui se passait sur le fréquent. Ah, donc tout à l'heure, tu m'as pas entendu, là, quand je t'ai donné, là, quand je t'ai dit, justement, quand je t'ai parlé de ce passage-là. Oui, oui, j'ai écouté, hein. Et, oui, à tous les coups, c'est, comme tu m'as dit, là, le camion de dénaisage qui est passé à côté, si ça se trouve, il devait être en pleine émission, lui, depuis son camion, si bien possible. Et, résultat, il t'a complètement absorbé la réception, quoi. Je vois bien un coup comme ça. Ah, j'entends quelqu'un derrière. À moins que ce soit ma grande gueule que j'entends. Oui, effectivement, ça vient de me rappeler quand tu le dis. Oui, c'est quoi qui est ça, là, c'est quand ils ont fait le nettoyage là, sur les rues, là, au coin ou quoi que ce soit. Là, c'était trop près, là, à moins que ce soit vraiment dans les zones. Là.
Ben, disons que s'il était en pleine émission de son côté, effectivement, il peut te couper la réception. Hein. C'est comme là, là tu vois, dans la vidéo, tu verras que la télé est éteinte là de mon côté. Mais si je la laisse sur l'antenne râteau, sur la TNT là comme on a ici là, et non pas le satellite. Si je laisse sur l'antenne râteau uniquement, eh bien, la télé, tu la vois partir en live. Hein. Tu vois des petits carreaux et tout s'afficher partout sur la télé, je lui coupe la réception à la télé. Hein. Mais il faut dire aussi que je suis loin du retransmetteur télé. Hein. Donc, c'est un petit peu normal. Avec pas grand-chose, je vais vite couper la réception de la télé. Quoi. Ouais. D'ailleurs, sur la vidéo, sur ce petit passage où là, t'avais la... Attends, ah non, c'est moi. Où là, t'as eu la réception de coupé. Comme je te l'ai mis en message perso, là, je me suis amusé à cet endroit-là. Quoi. Je t'ai fait quelques conneries là, sur ce passage-là. De ton côté, ben j'entends des stations, là, qu'elles font de la voix. Ah, eh bien, je verrai ça dans ta vidéo, ok. Au fait, ça a été nickel ce matin. J'ai tout eu, là, sur le serveur. Dès mon retour, j'ai pu me mettre au travail de suite sur la vidéo, et puis tac, là, juste un peu avant midi, j'ai pu mettre ça en ligne. Ah, j'ai entendu monde derrière. Non, ça passe plus. Non, mais toi, là, les choses au niveau de l'envoi de la vidéo... Ah oui, ok, non, d'accord, c'est un bruit sur la bande. Ouais, au niveau de l'envoi de la vidéo, ça va, là, t'as fait ça super cuiro, ça a été nickel, j'ai tout eu, là, à la maison, et c'est le cas de le dire, en plus. J'ai tout eu à la maison, et j'ai pu me mettre rapidement au travail dessus, quoi. Bon alors, les stations derrière. Allez, la porte est ouverte, en avant. Pour les groupes du Tannant du Québec. Ouais, je crois qu'on a oublié de mettre la pancarte francophone. Alors, dans la vidéo précédente, dans les autres vidéos, je m'amuse un petit peu dedans, dans tout au long de la vidéo de ça. Je mets... Je mets un bandeau en haut qui représente le forum, dans le bas. Je mets un cache au nom du forum sur la barre lumineuse, qui est là d'ailleurs à l'achat de couleur. Je l'ai passé en rouge, comme ça flash moins. Donc tout ça, je l'ai enlevé. Et des petits détails comme ça, là, des trucs comme ça qui font toute la longueur de la vidéo, en fin de compte, je les ai enlevés. Et ça paraît pas grand chose, mais je suis passé quand même de, pour la vidéo d'hier, qui doit faire 2 heures, je crois. Je suis passé d'une vidéo qui aurait duré 4 heures et quelques, 4 heures de travail, à 1 heure. C'est la loi de la personne.
personnes qui persistent à essayer de passer en fréquence quand c'était très classé. Et puis, avec la patience et tout, la propagation finit comme il tourne la patrie, Émile. 60 ans et 51 pour la nuit sur la Normandie. Émile. Émile. Ça me parle. Émile. Ça me parle. Hey Gilles, je viens de voir sur la vidéo que l'XYL vient d'arriver. Je vais passer en QRX le temps 2 et je reviens. Oh, il y a de la vache folle. Oh, les odeurs. Breakover. Breakover. J'éternue, il me reconnaît de suite. Thank you.
sur les deux côtés, quoi. De retour. Rémi de retour. Ouais, de retour. Hey, pendant que j'étais en train d'aller manger là, un petit gâteau là pour le... Mais hey, l'autre, il me casse les oreilles là derrière. Pendant que j'étais en train de manger un petit gâteau avec XYL, et là j'ai le cappuccino là qui est à côté, là, j'ai entendu une YL là sur la fréquence. J'ai rêvé ou c'est toi qui s'était fait écraser ce qu'il fallait pas, quoi. Il n'a pas compris. Ok, c'est pas grave. T'écouteras ça dans la vidéo pour dormir. Je t'ai sorti une connerie, mais bon, c'est pas grave. Saloperie de surmodulation, je reste poli. Là, pour le coup, j'ai pas eu Roger. Ouais, je te disais que tout à l'heure, j'ai entendu une YL en fréquence. Est-ce que c'était bien une YL ou toi qui t'étais fait écraser ce qu'il fallait pas? Oui. Ah ben j'ai à te dire, tu pourras voir ça dans la vidéo. Ben non, puisque j'avais coupé la vidéo pour remettre la caméra en charge. Si. Bon, je pense que vu l'accent, vu la langue, ça doit être du côté du Brésil, je pense, de ce côté-là. Oh oh, ça t'interpelle. Je vais le dire à Nathalie. Ah, tu vois que là, tu comprends ce que je dis, là. Non mais le mec il arrive comme ça là sur la fréquence sans même regarder s'il y a déjà du monde et tout là, puis paf il plante la tente. Oui, ben le Brésil, hein, à chaque fois, c'est à chaque fois c'est là. Et puis là, elle est venue planter la tente, là, les gars, là, sur la fréquence. Et tu, si t'as le web SDR d'Ottawa là à côté de toi, tu dois pouvoir l'entendre aussi.
Ah mais non, c'est pas sur le web SDR d'Ottawa, désolé, autant pour moi, c'est directement en direct. C'est au QIRA que ça me passe, que ça m'arrive plein pot. C'est le Brésil, c'est directement là au QIRA sur le poste que je les attends plein pot. Sur le web SDR d'Ottawa, ça passe QRP. On voit l'heure un petit peu de neige là-bas, ça les refroidira. Ah non, je confirme, ils sont bien sur le 27625. Ah là oui, là tu vas pouvoir le vérifier par toi-même quand tu écouteras la vidéo, à l'occasion là, quand ça te servira de berceuse. Mais ils sont bien dessus, hein, je te le confirme. Oh, j'ai entendu quelqu'un là en décalé. Et le siffleur brésilien là, tu l'entends pas? Non, 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 non. Oh, cette chance! À chaque fois, il me casse les oreilles. Ah, il m'arrive avec un signal de 5, mais c'est comme s'il m'arrivait à Santiago 9, hein, pareil. Hein. Au niveau puissance, puissance vocale. Dans le rouge? Mais toi, tu picoles trop, toi, c'est pas possible, ça. Il va falloir que je vais dire à Nathalie qu'elle plante les bouteilles de rouge, hein, parce que là, ça va plus, là. J'étais faire la commande hier, là. J'étais faire la commande des gastro-liquides. Oh, j'imagine. Et t'as vu la photo que je t'ai envoyée? Eh bien, tu vois, ça, ce que tu as vu là en photo, ben, ça fait bien 13-14 ans que c'est là. Puisque, pour ma part, j'aime pas du tout le vin. J'en bois pas. On nous offre des bouteilles comme ça, des fois. Mais ni l'un ni l'autre buvons du vin. On n'aime pas du tout ça. Et ce qui fait du coup, ça reste toqué. ça reste stocké comme ça, pour rien. Ok, je vais envoyer toutes les bouteilles au Québec-Canada. Alors je pense qu'au passage aux douanes, faudra pas s'étonner s'il manque des bouteilles ou s'il n'y a plus rien dans le colis. C'est avec grand plaisir que tu pourras vider toutes les bouteilles. Je serais curieux de voir ça. Mais il y a une autre station aussi, il y a des grandes oreilles derrière du Québec qui réclament les bouteilles que j'ai chez moi. Oh, et faut que je regarde ce qu'il y a. Il y a peut-être des noms là que tu connais dedans. Ah, je lui retourne le micro. Il y a une grande gueule du Québec à Hachi Trois Coups qui est passée à fond la caisse là de mon côté. Ah, on prend fort le Québec, là, on prend fort le Québec.
Ok, gazou, gazou, les 73-51 de Dundee 33, 14 km, 33-01 Rémi. Tout ça retourné, retour de micro sur Gilles. Alors là, si vu comment tu m'arrives chez moi, si Gilles il t'entend pas, je lui achète des cotons-tiges. Vas-y Gilles. Oh là, attends, c'est où à Bézère. Oui, 73-51, Gazou, gazou, je sais plus, ça y est, en avant pour Gilles. Ah ben je l'entends plus. Il est parti. Ben je sais pas s'il est parti, mais en tout cas je l'entends plus. T'as dans mon petit stock là, j'ai même du vin d'Alsace dedans. Rio Blanc, je ne connais pas. Camille Gauchero. Masse Jean-Claude, Grenache, Syrah, Mouvèdre. Connais pas. Château d'Abzac. Château Pulvère. Bon, je ne vais pas toutes les sortir. Que je vous montre pas, elle est là en bas. Oui, qui est-ce, merci beaucoup du compliment aussi au
que ça arrive quand même avec des bonnes pointes ici, 57, 58, par moment, même plus. Donc, c'est toujours un plaisir de te entendre la fréquence après bien des années, mon ami. Merci beaucoup, les 75-51. On peut peut-être attendre sur le. Pour être connu, il est connu. L'ordinateur, sur le Messenger ou sur l'ensemble du groupe, mon ami. Bonne journée, bon culte, bonne propagation à toi, mon ami, au plus, dans l'ensemble du groupe des Ténèbres, tu es seul? Merci. Ha ha.
ça fait du plaisir d'avoir les deux pieds dans le sable. Après pas d'aller tout au gros soleil là, avec un petit parasol et puis une bonne petite corona là. Oh monsieur, oui bien, voici ici là, la température là, ce matin là, c'était moins 17 là on est rendu à moins 11, soleil nuage, et puis c'est sûr qu'à l'extérieur il y a beaucoup de neige, beaucoup de glace, mais là c'est plus froid pour la journée à suivre, et puis de la neige qui s'en vient à l'horizon là. Un autre 15 à 30 cm à l'horizon là, à venir. Tu es seul là, Pierre? Ça baisse, 16h45. Ah, hier, à 18h30, oui, dans ces eaux-là, c'était remonté, je l'entendais à nouveau. Ah, comme quoi, quand ça baisse vraiment, qu'on arrive à plus s'entendre, ou quoi, eh bien, ça vaut le coup de rester en écoute parce que ça remonte après. On l'a dit de côté. Oui. Oui.
tout loin de la ville de Montréal. Je suis à côté du parc national de Oka, pas sorti Alpha. Juste à côté, il y a la route pour Caracette, juste un peu plus à côté du parc national, car de retour. Ils sont gonflés, les gens. Ils débarquent sur la fréquence et demandent à ceux qui sont déjà là de faire QSY. Alors ça, c'est pas banal, ça. Ça doit être des gens de Facebook, ça. C'est des jaloux. Affirmatif, et quand on fait des jaloux comme ça à ce point, c'est que la fréquence fonctionne. Monsieur, oh oui. Oui.
chômage, il a une fréquence qui n'appartient pas à personne, comme on dit, hein. Le respect de la fréquence n'appartient pas à personne, mais quand il y a un groupe qui utilise la fréquence abondamment pour les contacter surtout francophones, internationales sur la planète, on peut dire, parce que c'est le point de... C'est ça qui en est aujourd'hui. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, ça plaît pas à tout le monde, Pierre. Oui, il est parti, le British. Mais félicitations avec 14 missions, Pierre, qui s'est là signalé. 14 Alpha Tango 913. Là. J'ai pas mis le prénom, mais 913 là, pour la station. Arrête de toucher ton poste, Gilles. Le clarifieur seulement, l'autre tu le laisses en place. Je t'ai vu sur tes vidéos, on te voit sur les vidéos. Tu touches le Corse. Il n'y a que le fin qu'il faut toucher. L'attrape en direct. Je vais faire une petite copie en vidéo. De retour, c'est bon, je suis de retour.
Donc 21h en France. Monsieur. Les 73-51, Frédéric, je crois que tu as dit, du coup j'ai pas suivi, hein. De 14 km 33-01 Rémi, sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Ah oui. En direct, ouais. Alors je l'ai un petit peu entendu en direct, puisque bon, sur le web SDR, du coup j'avais coupé le web SDR. Voilà que je... Ok, ça passe toujours de ton côté, je vois ça. J'avais coupé le web SDR pour essayer de mieux le sortir, mais c'est très trop QRP de mon côté, et pourtant je l'entends quand même. Là, c'est sur le web SDR. Ok Cédric, les 73-51, alors ce coup-ci je t'ai entendu plein pot dans le web SDR d'Ottawa. Comme quoi, je comprends que Gilles dise que tu sois monté sur une colline. Et je vois que moi c'est pareil, parce que là pour le coup ça fait cacophonie chez moi. Je suis obligé de baisser le volume du web SDR d'Ottawa pour pouvoir répondre. Là, je t'ai reçu en direct, enfin je t'ai reçu sur le web SDR, les 73-51 retournés Cédric. Yeah.
Il est parti où? Et le break, c'est 14 et 109 sur Bordeaux, 73, je crois que c'est Cédric qui tient notre station. Et vous n'êtes pas loin, l'opérateur Mario, là, tu es seul. Et la station qui est venue, je crois que c'est Mario. Oui, c'est l'opérateur Mario, c'est sur Bordeaux. Je pense qu'il y a une autre station qui est un peu plus loin, mais que j'entends également. 73 à tous, là, de l'opérateur Mario, 14 écho 109. Ok, 14 écho 109, 73 51 à vous, de 14 km 33 01 Rémi, à côté de Saint-Émilion. Ok Rémi, on s'est entendu, il y a, c'est pas une dizaine, quinzaine de jours. On est également avec le Canada, avec, il y avait d'autres stations canadiennes. Voilà, donc, on s'est déjà entendu, Rémi, là, plus tôt. Oui, 100% QSL, ça devait être justement sur cette fréquence-là. Oui, 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 je m'en souviens. Voilà, je me souviens de votre voix. Et puis, donc, il y avait des stations canadiennes, mais je n'ai pas noté. Hein. J'ai eu peur de ne pas noter, j'ai fait les feuilles qui s'envolent. Alors, les écrits restent, à condition de les conserver, ce n'est pas mon cas. Voilà, je ne suis pas trop passé, là. Voilà, mais ça fait plaisir de vous entendre. J'entends également, je pense que c'est le Québec-Canada qui est avec moi, là. Oui, affirmatif, je vais lui faire un retour de micro. Alors c'est 9, bravo Charlie, 555, Gilles, qui est sur Pointe Calumet, c'est-à-dire à l'ouest de Montréal et à côté du parc de Oka. Voilà, je lui fais directement, et là j'ai en parallèle le WebSDR, une écoute là sur le WebSDR de Ottawa. Et ça passe bien de ce côté. Hein. Donc je fais un retour de micro à Gilles. Oui, moi j'ai noté la station qui est avec toi, pour Mario du département 33, oui. Pour Bordeaux, mais j'ai 14 victoires écho 101, je ne sais pas si c'est bien noté, Rémi, à ce temps. Retour à Mario. Cher Rémi, merci de retour à l'écho, je salue donc Gilles. Donc du côté du Québec, je crois que c'est Ottawa, j'ai bien compris un peu, c'est les airs d'Ottawa que j'écoute. C'est ça. Il est un peu plus excentré. Voilà, donc Gilles, content d'entendre le Canada, ça fait un petit moment que je vous entends, mais j'arrive pas à faire le cul des choses. Je suis avec une petite station, donc c'est un peu plus difficile, avec une antenne verticale, et puis un vieux poste, Fox Tango 757 DX, c'est un poste qui a déjà plus de 30 ans, que j'ai pu réparer il n'y a pas longtemps, hein, j'ai changé une carte carrément, et maintenant il fonctionne, hein. Et je me suis un peu embêté parce que ces cartes, on les trouve pratiquement plus. Alors j'ai pu trouver une au Portugal, et puis l'OM m'a envoyé ça, et c'est tout remis en place, et ça fonctionne aujourd'hui. Je suis bien content parce qu'il était dans un placard depuis des années et ça m'empêchait de le jeter, et ce poste, de le vendre pour pièce. Et finalement, je suis décidé à le réparer et puis bon, c'était la bonne solution. Voilà, il faut recycler, il ne faut pas jeter. Voilà, Gilles, je retourne le micro avec la meilleure 73. Oui, c'est le FP fonctionne très très bien. Et puis une bonne investissement à Mario parce que quand quelque chose, même s'il ne fonctionne pas, il n'est pas vraiment dit pour être à la poubelle. Alors que la radio aussi que je te parle avec, c'est une radio recyclée. Là. C'est une radio recyclée dans les années passées. Et puis je l'ai recapé à neuf. Là. Je l'ai recapé à neuf. Et puis, regarde, aujourd'hui, on fait tous les deux avec deux radios recapés. Tu appelles Mario. Ah, ok, Gilles, tu as recapé aussi les vieux postes. Je t'ai perdu un moment, là, parce qu'il y a des familles. Moi aussi, Gilles, il s'y connaît. En verticale, il y a souvent des. Il s'y connaît en électronique. Et j'ai compris que tu avais recapé aussi les postes. Enfin, c'est vrai que c'est bien que même les vieux postes puissent continuer à. Pourtant, il a des doigts de bûcheron. Hein. Mais quand il bricole. Également, un champ spectrum, c'est un poste
marine. Oui. Mais bon, j'ai pu mettre le 11 mètres. Puisque j'ai changé les quartz, j'ai pu trouver les quartz. Et en changeant les quartz, j'ai enlevé une partie du 10 mètres. Et donc j'ai pu mettre le 11 mètres. Et c'est très agréable parce que c'est des poches qui ont une excellente sensibilité et une très bonne réception. Voilà, je vois que tu connais un petit peu. C'est intéressant, c'est des postes où tout n'était pas électronique. Maintenant, il y a des menus, des sous-menus. Bon, c'est vrai que c'est bien aussi. Le problème, c'est que, bon, il faut chaque fois y revenir. Donc, il y a du pratique et du moins pratique. Mais bon, c'est du poste qui a une petite nostalgie de ces anciens postes qui étaient faciles, entre parenthèses, à réparer. Les pannes étaient assez classiques, on arrivait à réparer. Voilà, Gilles, c'est quel côté? Tu es du côté de Montréal ou un peu plus loin? J'ai pas bien compris, Gilles, à toi si tu m'écoutes. Oui, c'est Mario. Mais à Montréal, moi je suis un peu à l'ouest. À l'ouest, entre 20 à 30 km, à l'ouest de la ville de Montréal. Je donne le point le plus près de mon QRO, qui est le Parc national de Ouka. Un parc qui nous parle pas. Parc national de Ouka. J'ai compris, Parc national de Ouka. Moi, je cherche sur Internet, je vais trouver un compte. Parce que vous avez un beau pays, hein. Le Canada, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. C'est simplement des amis qui sont du côté de... Oh, je ne me souviens plus exactement, c'est pas si c'est pas Montréal justement. Mais il est parti en automne là-bas et avec un drone. Et il m'a ramené des photos du Canada en automne avec le drone. C'est simplement majestueux, quoi, les couleurs. Il faudrait qu'un jour je vienne au Canada en septembre ou octobre. Faire des photos parce que j'aime beaucoup faire de la photo et ça serait le paradis du photographe. Ok, donc Gilles, belle démonstration de la radio. Voilà. Bon, la France aussi, c'est un beau pays, mais en plus condensé, on a plein voilà les choses, plaisirs de la radio. On a beaucoup de choses hein, avec très peu de distance. Bon, on a des volcans, on a la montagne, on a la mer, on a des côtés où il fait très très chaud. Hein. C'est vraiment un petit condensé. Et là, vous avez un grand pays avec des espaces immenses. Mais bon, chaque pays a sa spécificité. Et c'est bien de souligner ça. On est tous différents, mais on a des choses à amener à chacun à l'un et à l'autre. Voilà, je suis retourné une côte et j'ai passé du côté de Rémi. Oui, je Rémi, toujours derrière, mon ami. Oh que oui, monsieur. Alors, Mario, pour te situer comme ça, vite fait, Gilles est à 30 km à l'ouest de Montréal. Voilà, donc, voilà, tu vois un petit peu, c'est la banlieue éloignée, quoi, en gros. Voilà ce que c'est, voilà où se trouve Gilles. Retour, Mario. Oui, la ville est à l'ouest de ce parc qui m'a cité, là. Ok, c'est un coin très étendu. De toute façon, à Montréal, c'est très étendu. Je connais pas du tout, hein, mais enfin, je m'imagine. C'est quand même des coins superbes. Voilà. Donc, je vous ai envoyé les amitiés. Les 61-51, Rémi, les 61-51. Agile, je vais vous laisser en TSO. Au plaisir de renouveler, puisqu'il était déjà venu ici. Sur 625, elle avait fait un petit trisseau sympathique avec plusieurs OM qui étaient venus ici. Il y avait 3 ou 4 OM du Canada. Et puis il y avait toi, Rémi, qui était là. Et dis-moi, Rémi, c'est toi, Crocodile d'Allemagne? Sauf que tu jettes le croco, tu mets 33 à la place. Et voilà, t'as mon QRZ. Affirmatif. Ouais, c'était, c'est bien ici. Nous, on est là, on est en QSO journalier. Hein. C'est voilà, hein, c'est on est en QSO, vu la force de la propague, on est en QSO grand local. Hein, en fin de compte, nous ici là.
Donc tous les jours, enfin pour ma part qui travaille à côté de ça, donc j'y suis pas à 100% tous les jours, mais presque quand même. Hein. Et c'est vrai que là, c'est ça passe vraiment, mais c'est du constant. Là, depuis plusieurs semaines, là, c'est constant, là, sur cette fréquence. Mais autrement, oui, t'as bien les 73-51 de Dandy 33. Ok, oui. J'avais vu quelque chose sur les négatifs et ton site, là. J'essaie de m'inscrire, mais je ne sais pas si ça a marché. J'avais des questions à répondre. J'avais des questions sur les postes civils, parce que j'aime bien les réparer. Et tu as pas mal de modèles. Et je n'ai pas pu m'inscrire, je ne sais pas pour quelle raison. Après, je ne peux pas accéder au forum. Écoute, c'est un peu compliqué. Donc, je suis, je crois, inscrit, hein. Mais j'arrive pas à naviguer là, sur le site. Bon, c'est pas grave, je vais essayer. Bon, j'ai trouvé les schémas que je cherchais sur CDTruc ou alors d'autres sites aux États-Unis pour permettre donc, de dépanner les postes pour les remettre dans le droit chemin, tu vois, parce qu'il y a tellement de réglages sur les postes CD hein, pour les remettre comme il faut. Ou pour détecter les pannes, voilà. Donc, des fois, les schémas que tu laisses, c'est précieux, ok, Gilles. Ah, c'est ok, c'est étonnant que t'aies pas pu t'inscrire, que t'aies pas réussi à t'inscrire, puisque qu'est-ce qu'il est demandé? Ben déjà en premier, le confirmer que t'as bien vu, que t'as bien lu le règlement. Oui, le Roger Beat derrière. Oui, j'entends ça sur le WebSR d'Ottawa. Donc, ouais, déjà d'entrée, il te faut confirmer que tu as bien lu le règlement, blablabla, blablabla. Donc, on va très vite en bas de la page, tac, on confirme, tac. Un identifiant, celui-là que tu veux. Un mot de passe, celui-là que tu veux. L'adresse email, celle que tu veux. Que, voilà, tu valides et tout. Et si tu reçois pas de toute façon un email, j'ai entendu mon derrière, si tu reçois pas un email de confirmation, de validation, eh bien de toute façon, moi à chaque fois que je me connecte sur le forum, je vais de suite dans mon panneau de configuration voir s'il n'y a pas des gens qui sont en attente de validation. Et si c'est le cas, je les valide de suite. Donc, c'est pour ça que je suis un peu surpris, mais bon, ça peut arriver, je sais pas. Retour Mario. Oui, ok, le venu en QRZ, donc 14 Echo, Echo Charlie Oscar 109, un jour en 9, opérateur Mario. Voilà, je vais vous parler de la convention, Écoutez, je viens ça, bon, c'est pas grave, hein. Je reviendrai peut-être et puis j'en aurai peut-être plus. Avec un peu de repère, on va aller bien tous les deux. Merci du contact sympa et puis au plaisir de renouveler 73 à tous les deux. Ok, je le brésil qui me repasse plein pot, hein, car il m'aime être surmodulé. Les 73-51 Mario, retour sur Gilles, je sais pas si t'as bien entendu, tu as Mario là qui va passer en QRT, donc retour à toi Gilles. Je t'ai vu me faire les poches. Je plaisante. Pardon, je sais pas si Mario il est parti. Alors là, je prends aucune note. J'ai l'air malin. Je saurais pas te dire. Ouais, tu marques Mario, voilà, tout simplement. Ah là, aujourd'hui, oui, ça fait très fort.
C'est déjà là quand je vais travailler la vidéo, je vois moi de mon côté, à moi la peur. Hein. D'ailleurs sur celle, alors tiens justement puisqu'on parle de vidéo, sur les précédentes vidéos, à chaque fois bon je m'amuse dessus, je rajoute des trucs et tout ça ainsi de suite, tac, des fois des trucs qui font toute la longueur de la vidéo, comme le bandeau du forum que je mettais en bas, plus un cache que je mets au nom du forum que je mets sur les LED. Résultat, le tout fini, ça me faisait des travails de vidéo qui me duraient facilement 4 heures. Celle d'hier, pour le coup, j'ai arrêté ça. J'ai changé la couleur des LED pour que ce soit moins flashy au niveau des yeux. Alors du coup, rien qu'avec deux trucs en moins, je suis passé de 4 heures de travail à 1 heure de travail de vidéo. Alors, mais là, par contre, aujourd'hui, je sais pas que combien de temps ça va, elle va durer, la vidéo. Enfin, puis en plus de ça, si toi, niveau résolution, t'es, bon, je sais que ça va être qu'un chiffre pour toi, en 640 pixels de large, moi, je suis au plus bas à 1400. Donc c'est très très lourd, là, de mon côté. Mais en tout cas, là, je vois le niveau de la batterie, là, de ma caméra qui est en train de baisser un peu. Oh, ça, là, c'est un signe que là, elle va durer longtemps, la vidéo. Mais les tiennes, ça va, hein. Je vois, moi, celle que j'ai travaillée ce matin, la tienne qui dure quand même 2h10, je crois, je sais plus, quelque chose comme ça. En une demi-heure, le travail d'encodage final, quoi, c'est fait en une demi-heure, hein. Voilà, hein. Oui, là c'est ta vidéo d'hier, elle fait, alors attends, zut, mes lunettes, que j'aille, attends, je relâche le micro quand il y aura un break. Tiens, hey, c'est pas compliqué, voilà. Bon, j'ai entendu personne derrière. Ta vidéo d'hier, eh bien, fait 2h11. Voilà. Alors, je rigole quand tu dis, je sais pas si quelqu'un est capable de regarder comme ça 2 heures de vidéo d'affilée, mais en attendant, celle d'hier, elle dure quand même 2h11. Celle de lundi, elle fait 1h08. Celle de dimanche, elle fait 1h33. Celle de samedi, 1h01. Alors attends, est-ce que c'est la plus longue? Le samedi 14, t'en as fait une qui fait quand même 2h01. Après le mardi 10, t'en as fait une qui a fait 1h57. Le dimanche 8, 1h49. Le jeudi 5, 1h55. Tu vois que là quand même tu cartonnes au niveau temps vidéo. Hein. C'est là que tu me bats là. Quoique là aujourd'hui ça va pas être mal aussi de mon côté. Hein. Ouais, affirmatif, hein. Je suis en train de te perdre là. Alors tiens, à propos de ça, ouais, c'est pareil, je m'entends presque plus dans le webcast hier d'Ottawa. Je vois hier, je t'avais perdu là, bah, sur la fin de la vidéo de ça, l'attaque. Ah non, c'est que j'avais du boulot. Ouais. Bah là, ça, je vais faire pareil aujourd'hui. Là, je vois, il est déjà 17h30 presque. Je vais pas tarder à passer en QRT. Et je vois hier, vers 18h30, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus. Je te re-entendais à nouveau. Hein. Il y a eu un moment
il y a eu un passage là où je t'entendais plus. Ça passait plus, hein. Je pensais que tu avais QRT aussi de ton côté. Et puis là, vers les 18h30 de mon côté, donc midi et demi du tien, 18h30, 19h, donc midi et demi, 13h de ton côté, je t'entendais encore, hein, dans ces eaux-là, quoi. Ça passait encore, hein. Et là, ça remonte. C'est ça. Ouais, 100% QSL, d'autant plus que toi, le téléphone, maintenant, tu le laisses brancher en même temps que tu filmes. Alors moi, si je branche la caméra au secteur pour recharger en même temps, ben ça marche pas. C'est soit je filme, soit je charge la caméra. Et là, je suis rendu à 50% de la caméra, peut-être à peine. De mon côté. Mais bon, de toute façon, là, je vois 17h30. Et il est temps que j'arrête là de mon côté, que je me mette au travail sur tout ça. Puisque là, après, là, j'en ai pour quelques heures. Hein. Là, au niveau de travail vidéo, avant de lancer le travail final, j'en ai bien. Alors 17h30, 18h30, 19h30. Oh, j'en ai bien pour 2h15. Oh oui. Ouais. Là, j'ai facile de 2h15 environ 2h15 de travail avant de lancer le travail final au niveau du logiciel. Mais disons que oui, je contrôle tout, je passe tout à la moulinette, je fais beaucoup de coupures. Là, en ce moment, je tourne sur, comme tu l'as vu dans mes vidéos, je tourne sur deux caméras. Mais les deux caméras ne fonctionnent pas à la même vitesse. Oui, je t'avoue que je comprends pas non plus. Du coup, il faut que je synchronise à chaque fois au centre de chaque morceau de vidéo, de façon à ce que la deuxième caméra corresponde avec moi. Et oui, c'est assez chiant, assez compliqué, parce que les deux fonctionnent pas à la même vitesse. C'est bizarre, et ça, je t'avoue que ça m'emmerde. Si seulement les deux étaient parfaitement synchro, c'est vrai que ça me rendrait bien service. Mais bon, déjà, je passe du temps là-dessus. Redimensionner la deuxième caméra pour qu'elle tienne juste dans une fenêtre que je place en haut à gauche. Alors je mets ça dans une fenêtre en haut à gauche parce que la seconde caméra à la maison est effectivement devant moi, sur mon côté gauche. Donc pour que ça colle vraiment avec la vidéo, voilà, je positionne bien dans le coin de ce côté-là. Après, ben, je filtre, hein, je passe tout à la moulinette. Il y a des endroits où je vais couper, les blancs et tout ça, je vais couper. Les stations qui sont pas QRO, je vais couper aussi. Les endroits un peu plus marquants, je vais rajouter une connerie dessus. Comme là, j'ai quelques conneries à rajouter dessus. Toi, des petits détails comme ça, et ça fait autant de temps passé dessus au bout du compte, quoi. Mais oui, c'est énorme le temps que je passe après au montage des vidéos. Je passe plus de temps dans le montage de la vidéo, plus le lancement du travail final, qu'à passer de temps en QSO. Oui, c'est certain. Hein. Il faut le voir pour le croire, le temps que je passe dessus. Hein, c'est hallucinant. Hein. Avec mon banque, hein, avec madame là, parce que là, vous n'allez pas arriver à vous réchauffer. Hein.
Bon, petit raté pour moi sur la fin de la vidéo. Donc je suis passé en QRT. Ah, je me suis encore fait avoir avec le compte à rebours. Alors il y a le petit renard qui est arrivé dans le QSO. Il nous a annoncé la météo pour demain. Il devrait neiger là sur la Gironde. Ah oui, c'est vrai, tiens. À la maison, Gilles. À toi, Gilles. Chauffage électrique. Ah ça. Oui, plus 100%, oui, tu te chauffes électrique, oui, il y en a de ton côté, avec le bois, comme chez nous, il y en a qui se chauffent au bois, hein. Mais tu sais, si tu dois acheter le bois, tu le payes très cher maintenant, et puis le bois, voilà, c'est du boulot, hein, le bois, voilà, voilà. Ouais, ouais, il faut le mettre à l'abri, si c'est des bûches de mètre, suivant le poil, comme ça, là, il faut le couper en deux, bon, il faut l'essence, une tronçonneuse, c'est du boulot, hein, voilà, voilà. Bon, et puis voilà, un montée électrique, pompe à chaleur, voilà. Ouais, Gilles. Voilà, le bois, il faudrait que je l'achète, alors ça vaut pas le coup. Voilà, tant que je pouvais, je faisais du bois, je me chauffais pratiquement gratuit. Hein. Ouais, elle m'a donné du bois, voilà, fallait abattre les arbres, les tronçonner, les brancher, tout ça. Ah, le fardeau, le mettre sur les remorques, l'amener à la maison, c'est du boulot, hein. Tu passes beaucoup d'heures, hein, du temps. Après, je m'y retrouvais puisque on me le donnait, voilà. J'économisais l'électricité ou autre chauffage, voilà, à fuel. Hein. C'est quoi que tu as dans ta maison? Des petits radiateurs électriques, retour, Gilles. Oui, au sous-sol, et au sous-sol, au sous-sol, des petits chauffages électriques sur la pointe des flights, à côté des murs. Oui, c'est ça. Puis on a aussi une thermopompe. Une thermopompe, c'est ici les deux c'est la chaleur pour l'hiver. Et puis pour l'été, c'est du coup le refroidissement là, pour l'intérieur de la maison. Là. Elle fait les deux. Elle est plus économique aussi. Oui, très économique, ce qu'on appelle chez nous le chauffage. Oui, d'accord, la clim reversible, voilà, climatisation reversible, c'est-à-dire l'hiver, ça te plus la chaleur de la maison et l'été du frais, là. Comme ça, ces clims-là, l'été, oh, là, je suis à 7. Ta maison, ouais. J'ai poussé le volume, voilà, je suis à 7 sur le DSP, je suis à fond, là. Pas de grammes, ça consomme beaucoup d'électricité et ça coûte cher, hein. Et puis il faut une très très bonne isolation hein, des murs, du plafond et tout, autrement. Hein. Si tu n'as pas d'isolation, des petits radiateurs à électrique mural, tu te bouffes la retraite, hein, le mois. Ça coûte cher, hein, mais ça va peut-être passer, voilà. Et Gilles, c'est ça, en gros, là, t'as la clim reversible chaud et froid, toi, Gilles. Oui, c'est sûr, les gars. Il n'y a que la voix qui passe. J'ai jamais testé aussi longtemps sur la position 7 comme ça.
Baisser un peu. 6. Bon, voilà. Ouais. 5. J'espère que vous allez bien tous, voilà, et que tu te portes bien ainsi que ton 4. Et puis que t'as lâché les poules et que tes poules vont bien. 76 à Bifred, à toi. Cinq, six, sept. Oui, je vais venir de près d'avion là, de ton côté, j'ai fait du soleil, oui, comme ça je vais m'en chauffer, oui, parce que ça donne des températures à l'eau. C'est pas chez toi, le pays du soleil, pas soleil. Oui, je tiens compagnie à Gilles, là, division même là, bravo Charlie, 555, voilà. Voilà, voilà. Est-ce que tu l'as encore, Fredo, là, Gilles, à toi, Fredo? Oui, j'ai 5. La vidéo. Voilà, toi ça fait amitié Fredo.
Et sur sa frère, la famille, merci beaucoup, bonne journée. Profite du soleil et peut-être de la mer, tu vas aller peut-être te baigner, te rentrer chez moi.